Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix d'Italie 97 à Monza. Donc c'est parti pour la séance de qualification avec des ailerons braqués quasiment au minimum. Hein. On est à 8% sur l'avant et 11% sur l'arrière. Alors, vous l'aurez peut-être vu déjà sur le Discord, je ne sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, honnêtement. Comme vous savez, bien entendu, je m'entraîne avant au niveau des temps, et pour savoir où je me situe par rapport à l'IA, je suis obligé de le faire en qualification, puisque si je le fais en essai libre, en fait, on voit pas les autres voitures, donc on sait pas où on se positionne. Et du coup, dans la précédente partie, il y a eu un classement qui était assez incroyable. Alors je vais attendre un peu avant de vous le donner. On va voir s'il se produit la même chose là cette fois-ci. Donc on va voir, c'est parti. Alors je forge de bons espoirs sur cette course puisque c'est un peu comme au Canaim, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire des temps corrects. Et ça me permettra de sortir de cette petite mauvaise passe de la Hongrie où on s'était vraiment fait démonter. Donc tout va se jouer évidemment sur les chicanes, hein, qu'il va falloir prendre le plus vite possible. Je vais éviter le cut, vraiment, on va essayer de faire ça proprement. Parce que bien sûr, vous vous doutez bien que si on cut un peu partout, c'est trop facile. Et là, je suis déjà en train de rattraper Ignace, ce qui n'a pas forcément une bonne nouvelle, mais bon. Cette année, on verra peut-être des pilotes donner des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont abaissé la position du pilote qui se retrouve incliné plus en arrière et les pieds légèrement surélevés. Et si vous avez suivi la dernière vidéo sur le 2006, effectivement, à la fin, c'est le blackout. J'ai complètement serré, En fait, j'ai essayé de ne pas réagir du tout à ce qui se passait, parce qu'il n'y avait rien à rajouter. Hein. L'abandon bête, avec la roue instant détruite. Un peu saoulé à ce moment-là, évidemment, puisque je trouvais qu'on se sentait pas trop mal, mine de rien. Par rapport aux qualifications, on était mauvais, mais en course, c'était pas mal. Et avoir tout ruiné au bout d'un tour et demi, enfin, c'était vraiment trop dommage. Bon, après, je m'attendais pas à faire un résultat à Istanbul, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti pour un premier tour en 19673, ce qui est pas mal, vous allez voir. Enfin, c'est correct en plus, mais... Le plus dur, c'est vraiment de bien sortir. On va essayer de faire en dessous des 19, hein, ça va pas être évident. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Bien sûr, je vais galérer, c'est la partie lente. Et mine de rien, les ivoires, faut pas aller dessus. Ça nous fait ralentir quand on est dessus, donc... Faut essayer de passer légèrement à côté, ce qui est pas évident parce que ça empêche les trajectoires, les bonnes trajectoires. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment, il est en avance au deuxième intermédiaire. On pourrait être en meilleur temps, mais évidemment ça va changer après. Allez, je pense que je peux faire un peu mieux là. De toute façon, dès que je vais atteindre le temps que je pense être le maximum, à 18-6 c'est pas mal. 18-6 c'est pas mal. Je pense que je serai pas beaucoup mieux, je vais quand même tenter un dernier tour. Voilà, c'est chaud, hein. J'ai perdu un peu de relance, par contre j'ai pu accélérer tout droit. On va voir dans le premier secteur ce que ça donne. Ce premier temps intermédiaire est vraiment plus rapide que le meilleur temps de qualification actuel. En plus, je vais me faire aider par la Benetton au niveau de l'aspiration. L'un des problèmes oh là là, par contre, je ressors très très mal du virage, ça c'est pas bon. J'essaie de le prendre à fond en sortie, ouais, ça c'est ok. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvre la visière. Et si je compare ce temps, il est en retard au deuxième temps intermédiaire. Oh bah là, fou, la sortie, c'est bon. Bon! Eh bien, on va faire une qualification, on va faire revenir la coefficient de la voiture pour voir la grille de départ. Je vais masquer le jeu. Tout. Ici. Et moi, je vais enchaîner.
Je vais enchaîner avec la croix sans regarder. Il va falloir me faire confiance comme d'habitude. Je pense qu'on a passé. Ouais, c'est bon. Okay. Allez, c'est parti pour la course. Nous voici sur le célèbre autodrome de Monza pour assister au Grand Prix d'Italie. Ici, en Italie, l'ambiance est particulièrement électrique car tous les tifosi exhortent la Scuderia Ferrari à la victoire. Comme dans bien d'autres cas, le circuit a été cassé par des chicanes de façon à limiter la vitesse et à renforcer la sécurité. C'est pourquoi il est vital pour les écuries de trouver un juste équilibre entre vitesse et adhérence. En remportant la victoire pour Ferrari en 1996, Michael Schumacher a apporté au public ce qu'il recherchait et je suis sûr qu'il mettra tout en œuvre aujourd'hui pour en faire autant. Alors, il s'est pas passé ce qui s'était passé juste avant, du coup je suis trop déçu. En gros, les résultats des qualifications quand j'ai fait le test avant, Verstappen, mon coéquipier, partait 3e sur la grille. Et nous, on était 4e. J'ai fait, mais comment c'est possible? Et là, ça s'est absolument passé pareil. Verstappen, bah, il est complètement à la rue. Je suis déçu parce que là, du coup, on avait Verstappen 4e ou 3e, je sais plus, j'ai dit 3e, je pense que c'est 4e. Enfin, il était en top 6 en tout cas, c'est sûr. Et ça aurait été exceptionnel, quoi. Bon, c'est pas grave. On va partir 2e du coup. Ce qui est très bien. Les pilotes occupent leur bon, mais ça, il va y avoir le départ, ça va être un peu compliqué, mais bon. J'arrive pas à faire la pole vraiment, hein. Je suis toujours sur 2e, 3e, 4e. Et le départ, ouais, pareil qu'il vient me dépasser, ça me paraît logique, on va prendre l'aspiration. Oh la Williams, allez la Williams sur le côté, je vais pas dépasser, il me retombe bouché. Et c'est la Ferrari qui a pris le meilleur. C'est pas mal, est-ce que je peux prendre à l'extérieur? Ouais, c'est bon. La Ferrari qui est extrêmement rapide hein, de toute façon. Et le voilà en tête. Bon logiquement... Ça devrait bien se passer en termes de vitesse. Je sais pas après ce que ça va donner contre l'IA en course. Mais bon, vous voyez déjà quand il était de pointe, on est pas mal. Chaque kilo supplémentaire que vous transportez. Ah, je suis un peu déçu de pas avoir eu Verstappen dans le top 10, quoi. Ça, c'est dommage. La charge en carburant, comme dans l'aéronautique, est mesurée en kilos et non en litres. Elle est calculée au plus juste pour une performance optimale avec un poids minimal. Bon du coup si on arrive à gagner du temps, bon ben la course ça va être assez simple. A voir si je perds du temps dans d'autres parties du circuit, là je suis déjà en train d'augmenter mon avance. Il va falloir en profiter pour marquer le plus de points possible. Je pensais pas qu'on pourrait finir, enfin en tout cas pour le moment, aussi bien cassé. Hein. Vraiment dans son championnat, je m'attendais plutôt à sortir du top 6 largement. Peut-être me retrouver dans les 10 premiers, voilà, avec quelques points, mais... Nous sommes dans le deuxième... Là, être encore en lutte, même si c'est quand même très très difficile... Regardez derrière. Ils sont tous revenus sur moi. Et derrière, je crois que ça s'est crashé. Oh oui, ça s'est crashé. Je crois qu'il y a un accident. Il n'y a plus que Villeneuve... Ah, je crois qu'il va passer 4e. Donc je pense qu'il n'y a que Villeneuve ou Frenzen qui s'en est sorti. En tout cas, c'est-à-dire que la Williams suit le rythme. Alors Williams, le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas forcément une grosse vitesse de pointe. Le classement de la course. En premier, Mika Salo. En deuxième, Hans-Harald Frenzen. Troisième, Gerhard Berger. En quatrième position, Michael Schumacher. Cinquième, Jean Alesi. En sixième position, Eddie Irvine. Ok, on pas de surprise, hein, malheureusement. Ouais, c'est vraiment voilà, dans cette partie lente où la Williams revient. On va essayer de pas lui donner l'aspiration. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre carrément ici. C'est le troisième tour. Ah non, ah oui, il va vite quand même. Ah oui, oui, si, quand même. Ouh là là. La première place lui échappe. Ok. Bon, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher. Aïe, il va falloir aller chercher ici. Ah non, 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 non. Putain, la glissade. Oh, l'erreur. Je suis resté totalement à l'intérieur et j'aurais pas dû.
Oh putain, alors pour aller le chercher. Et ouais, j'ai complètement loupé mon voyage. Pour aller le chercher, là, ça va pas être la même. Hein. Wouah, 7 secondes à rattraper, ça va être compliqué. Ah bah, je crois que j'ai fait l'erreur du Grand Prix. Hein. On verra si on peut remonter sur Frenzen, mais. La distance s'accroît. Ils sont vraiment rapides en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Secondes 3 Frenzen, mais il nous a mis avant, c'est incroyable. Bon, heureusement, je ressors mieux. Alors, peut-être qu'il y a deux secteurs où je suis plus rapide, mais alors, ouais, pour attraper Frenzen, là, ça va être compliqué. Il remonte, c'est sûr. Ouais, je gagne une seconde. Là, je suis déjà trop la déception. Trop déçu. Voilà, c'est bon, si on arrive à ressortir vite là, déjà c'est gagné. Ah, j'ai rien dit, hein, sur Frenzen finalement. Les Williams, ça, elles sont super rapides. Ils remontent, c'est sûr. Ouais, non, je l'ai mal pris. Ouais, allez, je regagne une seconde et demie, mais pff, j'en perds deux dans le dernier virage, donc ça, c'est pas. Pas top. Et ça va faire comme un Hockenheim. À ce stade de la course, ah, regardez combien on revient vite, quoi, c'est indécent. Ah, il est passé 10 secondes, mais ça m'étonne pas, hein, de toute Voyons façon. Comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frenzen. À la deuxième place, Mika Salo. En troisième position, Jean Alesi. Que s'est-il passé? Quatrième, Gerhard Berger. Cinquième, Michael Schumacher. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Ah. Une Jordan qui rentre dans les points. Il remonte, c'est sûr. Ça, c'est une puissante accélération. Bon, je suis un peu mal ressorti que tout à l'heure, mais bon. Ouais, je pense qu'on va progressivement s'éloigner de la Frenzen, à moins que Frenzen fasse des erreurs. Hein. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais. Ah, en courbe, ils ont vraiment beaucoup plus de vitesse. Hein. Ça se voit. Ah, il est déjà remonté, il m'a déjà recollé. Hein. C'est incroyable. On arrive à se maintenir en 10 secondes 4. Alors est-ce que potentiellement il peut rattraper les pilotes les plus en jeu, je ne sais pas. Et l'écart se comble. Ouais, 9 secondes 9, bon. Les pilotes les plus lents qui n'ont pas effectué un temps inférieur à 107% du meilleur temps de qualification ont le droit de demander une dérogation au commissaire. Mais il est très improbable qu'ils l'obtiennent.
Allez, 7 tours sur 10 déjà. C'est fou, nos sponsors qui sont sur le circuit, je suis en train de me rendre compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 différents là. 8, 9, 10, 11 avec Mauro Ramazzotti, 12 Q8, 11, 13 Loctite. J'ai complètement loupé mon virage. Enfin, il y en a vraiment une tonne. Niro, c'est 14. Renault, 15. L'écart se creuse. 16 avec Candy. Il y a 16 sponsors sur le circuit. Classement de la course. Hans-Harald Frenzen. Mika Salo. Jean Alesi. Gerhard Berger. Les deux voitures se sont passées, c'est sûr. Non, j'y crois pas. Mais comment il m'a dépassé comme une merde. Incroyable. Oh, il a été vraiment... la Berger, il m'a... Impossible, je pouvais pas le défendre. Il reste 3 tours jusqu'à la fin de la course maintenant. Il accélère à fond maintenant. Alors, est-ce que je peux revenir sur le coup de l'accélération ici? Je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, il m'a très beau dépassement, hein, mais... Juste derrière lui maintenant. C'était au Chospi, bien joué quoi. Allez, on va tenter ici maintenant. Yes. Yes, c'est passé. Fou, 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 fou. Il prend la deuxième place. Et j'ai profité dans le secteur où je suis le plus rapide. Il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire. Attends, je suis dans le gravier. Non, j'ai deux Benetton aux fesses. Il est très jeune, mais il fait déjà preuve d'un réel talent. Ouais, je sais, je suis très talentueux, merci. Allez, 8 sur 10. Il n'a plus que 2 tours à faire. On a perdu 3 secondes quasiment dans le dernier virage quoi. J'ai du mal à tourner légèrement, je sens de perdre du grip, ce qui est bizarre d'ailleurs. Allez, il va rester plus qu'un tour à faire. Ah, je suis totalement raté. Oh, regardez derrière, c'est en train de revenir. C'est le Ferrari qui va en profiter, vous allez voir. Il accélère à fond maintenant. Il remonte, c'est sûr. Classement de la course, Hans-Harald Frenzen, Mika Salo, Michael Schumacher, Jean Alesi. C'est Villeneuve qui est loin par contre, je sais pas où il est. Il recule un peu. Regardez l'écart qu'il y a, et vous allez voir l'écart qu'il y aura à la fin.
C'est une victoire pour Hans-Harald Frentzen. Je suis sûr que cette victoire va faire énormément plaisir à Frank Williams et à toute l'écurie Williams. Oh! Il n'a oh non! Faire pour éviter de se jeter dans le rail. Non, la mètre qui s'était connecté! Non! Deuxième, Jean Alesi. À la troisième place, Michael Schumacher. Oh non, mais c'est pas possible! Oh non, mais c'est pas possible! 9ème. Mikasa, il n'est pas dans les points, mais il. La mère qui s'est déconnectée dans le dernier virage, vous y croyez ça? Là, je suis maudit, hein, vraiment. Putain, c'est pas possible. Dans le dernier virage, il reste une ligne droite à faire, quoi. Putain, Nakano qui finit 5ème. Alors, Frentzen emporte la course devant Alesi, Schumacher, Berger, Nakano, Fisichella. On termine 9ème, bah oui, le temps de remancher la manette, super. J'aurais marqué 6 points de plus là, j'aurais été à 48. Je perds des points, allez-y aussi. J'aurais été 3ème au championnat, je repasse 42. Ok, super. super. Allez, au championnat constructeur, on est 4ème. William 113, Ferrari 99, Maiden 101, Tyrrell 42, Jordan 10, McLaren 8. Je suis dégoûté. Dégoûté. Quand c'est pas le jeu, c'est la manette. Bon, et bien on se retrouve pour la prochaine course sur le Grand Prix d'Autriche. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.